Hello les amis, tout le monde, les gens. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve, on va se faire le défi Billy Ball. Donc, ben pas de prise de tête. Là, moi je me suis mis sur la coupe Yoshi, je vais prendre le circuit de Yoshi. Je choisis un circuit grand, comme ça il y a plus de caisses à ramasser, donc plus de chances. Personnage, on s'en fout, voiture, on s'en fout. Par contre, l'aile, tu prends l'aile pour les Billy Ball. Et c'est parti. Petit conseil, la petite astuce, mais ça c'est bon, maintenant vous commencez tous à connaître le truc. Enfin non, pas tous, sinon je serais pas obligé de faire la vidéo. Essayez de rester dernier. Huitième, septième place, c'est parfait pour déclencher un Billy Ball. Par game, tu peux en déclencher deux voire trois. Tu vois, sur ce circuit-là, les grands circuits, il y a moyen de sortir deux à trois Billy en une game, en restant bien dernier. J'ai vu qu'il y en a qui essayent ou cinquième, sixième, etc. Non, cinquième, sixième, t'as plus de chances de te créer une frénésie que le Billy Ball. Le Billy Ball, c'est vraiment quand t'es dernier pour pouvoir rattraper tout le monde qui te le donne. Donc, vaut mieux être dernier. Je sais, il y en a qui vont chipoter psychologiquement et pleurnicher en se disant, ah, oh, mais je vais perdre des pourcentages sur mon niveau, nanani, nanana. Eh, mon pote, faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu veux pleurnicher pour ton score ou tu veux pleurnicher pour les défis? Donc, c'est toi qui vois. Soit tu te fais le défi et voilà, tu vas perdre un petit peu de pourcentage le temps de le réussir. Et tu vas quasiment rien perdre, hein. Je rassure tous ceux qui vont commencer à trembler des fesses. Tu vas même pas perdre 1%, c'est 0,3, 4. C'est tout bidon. Donc il y a ça et ton pourcentage, tu vas te le rattraper en une game ou deux, vite fait, bien fait. Donc ouais, faut pas pleurnicher parce que ça va redescendre un petit peu en niveau. Là, ça y est, donc deuxième tour. On va s'en refaire un petit. Vous avez vu, les trucs, ça se déclenche tout seul, mais il faut vraiment être à la fin. Là, c'est pour ça, je frotte les rebords. Appelez-moi Frottman. Voilà, huitième, c'est un petit peu mieux. J'ai plus de chance que d'être septième. Huitième, c'est vraiment la dernière place. En général, ils t'en donnent un à chaque fois que t'es huitième. Tu vois. Bon, c'est reparti. Là, ça va être la deuxième, voilà. Et une deuxième. Avec de la chance. Hop. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite coupure. Parce qu'en fait, les trois actions, et voilà la frénésie. Les trois actions, je les ai eues en deux games. Donc, dernier virage, je vous ai fait une petite coupure, histoire de. Enfin, pas mal la frénésie des Billy Ball. Un Billy Ball sous étoile, plein de testostérone avec deux lance-roquettes sur les côtés, c'est terrible. Si tu réussis à te la faire dès le début, avec ça, t'es tranquille, t'as tes trois tout de suite. Il n'y a pas de deuxième game, troisième game. Donc voilà, c'est parfait. Bah, les amis, hein, j'espère que ça vous a aidé pour ceux qui ne l'ont toujours pas. Je sais. Faut penser à être en dernière position pour l'avoir ton Billy. Si tu n'y penses pas, bah, c'est sûr que tu vas te taper 150 games pour rien. Donc voilà. Sur ce, les amigos, comme d'habitude, si t'as kiffé, lâche un petit pouce, n'hésite pas à commenter. Si t'es pas abonné, abonne-toi et n'oublie pas la petite cloche pour te tenir au courant, des vidéos qui sortent, etc., etc. Sur ce, les amis. Je vous fais plein de bisous, bonne game à vous, bon courage, bonne chance, bonne, etc., etc. Allez, tchuss la famille! We'll be right back.
Yeah.